Quelles sont les pires erreurs à éviter sur Tinder et Adopte un mec? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Secrets pour séduire sur Internet, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des principales erreurs que font les mecs quand ils draguent sur Tinder, Adopte un mec sur les sites et les applis de rencontre. Alors la première erreur, une des plus grosses, c'est les mecs qui ne mettent pas de photos. Alors les mecs qui mettent pas de photos, ils se disent qu'eux, ils matchent bien des fois avec des filles qui n'ont pas mis de photos. Parce que des fois, il y a des filles, ça m'est arrivé de rencontrer des filles très jolies qui n'avaient pas mis de photos parce qu'elles ne voulaient pas être reconnues par des clients ou par des trucs. Et c'est vrai que ça peut arriver. Maintenant, les femmes ont tellement le choix sur les sites et les applis de rencontre qu'un mec qui ne met pas de photos, elles vont juste le virer, quoi. Elles vont dire, elle manque de courage, il ne s'assume pas, allez, ciao. Alors c'est un peu injuste hein, dans le rapport de force, mais bon, le rapport de force entre les hommes et les femmes dans la séduction, il est déséquilibré de base. Donc, il faut accepter de mettre des photos si vous voulez draguer là-dessus et maximiser vos chances. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a photo et photo. Si tu commences à mettre des photos pourries, prises à la webcam, ou que des vieux selfies, pris comme ça dans ta salle de bain ou quoi, ça ne va pas le faire. Il vaut mieux des photos prises par quelqu'un d'autre. Alors, tu peux mettre un selfie ou deux, bien évidemment. Des photos prises par quelqu'un d'autre ou des selfies retouchées pour qu'on ne voit pas trop que c'est des selfies. Des choses qui montrent un peu que tu as une vie sociale, que tu n'es pas juste un pauvre loser qui prend ses photos en selfie. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est les photos ouais, où tu es torse nu dans ta salle de bain avec les poils pubiens qui dépassent là à fond. Ça, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que les meufs n'aiment pas trop ça. Elles aiment beaucoup plus quand c'est dans la suggestion. Il y a beaucoup de filles qui vont trouver ça vulgaire, pathétique, beauf, etc. Il y en a qui vont aimer, il y a toujours qui aiment un peu. Mais la vérité, c'est que pour maximiser ses chances, il vaut mieux éviter ce type de photos. En fait, les meufs, elles peuvent se contenter de mettre deux selfies et elles auront des matchs. Mais voilà, c'est déséquilibré, comme j'ai dit, le rapport de force sur les sites et les applis de rencontre et même ailleurs. Et puis, nous, les mecs, on est là à fond à regarder la beauté de la fille. Donc voilà, elle met un selfie, on voit à peu près à qui on a affaire. Donc, on peut matcher ou non. Une femme, elle va regarder un peu le physique du mec, bien sûr. Mais ce que disent les photos sur lui, est-ce qu'il aime les animaux? Est-ce qu'il a une vie sociale? Est-ce qu'il a une position sociale? Quel style c'est, tu vois? C'est plus ce que les photos vont dire de toi que typiquement si t'es beau sur les photos ou pas, tu vois. Forcément, un mec qui est pris dans un shooting mannequin, ça veut dire de lui qu'il est modèle et donc que d'autres filles le kiffent et donc ça fait présélection, tu vois. C'est plus ce que les photos signifient sur toi que vraiment si t'es beau sur la photo. Voilà. Donc, il faut arriver à prendre des photos qui disent des bonnes choses sur toi. Si un jour t'as parlé en public, par exemple, ça peut être bonne chose de statut social si tu es entouré par 2-3 filles, pas juste une, parce qu'une elle va croire que c'est ta copine et que tu veux tromper ta copine ou quoi, donc non. Mais si tu es entouré ou même si tu es avec tes potes, mais pas en mode alcoolo, tu vois, ça c'est des bonnes choses. Si tu es avec un animal, avec un bébé, ça peut passer. Faut pas que ça fasse trop kitsch, genre une photo avec la tour Eiffel derrière toi, ça fait juste touriste, tu vois. Faut bien arbitrer ce genre de choses pour les photos. Ensuite, la deuxième grosse erreur que font les mecs, c'est de ne pas mettre de description. La plupart des profils de mecs sur les sites et les applis de rencontre n'ont pas de description. Donc, en fait, la description, c'est un peu ce qui va te différencier, ce qui va permettre à la fille d'envoyer le premier message. C'est très important, la description, c'est peut-être 50% du travail. Donc, la description, ça va être quoi? Les principales erreurs, pas de description ou une description avec des émoticônes, un peu comme le ferait un teubé qui ne sait pas écrire. Sinon, c'est les descriptions copier-coller. Alors, le pire, c'est les descriptions du genre « on dira qu'on s'est rencontré au musée ». Déjà, la fille, elle le voit 10 fois sur 10 profils différents dans la journée. Et ensuite, c'est pathétique, ça veut dire « j'assume pas d'être là, machin ». C'est de la merde. Une bonne description, d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur la bonne description, n'hésitez pas à aller la voir. Une bonne description, c'est une description déjà qui colle avec tes photos. Genre, si tu dis que tu es super populaire et que tu prends que des photos avec tout seul, c'est pas bon. Si tu dis que tu adores les animaux mais qu'il n'y a pas un seul animal sur tes photos, c'est pas bon. Enfin, ce genre de choses, faut être cohérent. Si tu dis que tu es sportif mais que tu as du bide sur toutes tes photos, c'est pas bon. Voilà, il faut être cohérent et il faut que ta description, en fait, elle accroche l'attention. Il faut mettre une phrase d'accroche. Un petit peu, je sais pas, tu t'inspires des slogans marketing ou des trucs comme ça, tu détournes un peu. Et il faut à la fin qu'il y ait une question, un hameçon ou que ta description déclenche une émotion chez la fille, lui donne envie d'écrire, lui donne envie de rire, lui donne envie de trouver que ah, t'es un petit crapule, celui-là, tu vois, il a l'air de me défier, hein, il est challengeant dans sa description. Avoir qu'il y ait une excuse pour que la fille, elle t'écrive un message. Lui faire vivre des émotions que tu aies l'air en fait intéressant. Et il faut lui faciliter le fait de venir te parler.
Ensuite, la troisième grosse erreur que font les mecs sur les sites et les applis de rencontre, c'est le premier message. Oh là là, le premier message, c'est souvent « Salut, ça va ?» souvent écrit avec « S-A-V-A ». Donc, déjà, c'est éliminatoire, sauf pour les cagoles qui n'ont pas de cerveau. Ensuite, c'est « Ouais, tu suces, wesh, t'es bonne, machin. » Donc ça, on évite aussi. Sinon, c'est « Oh, charmante, oh, t'es belle, oh, charmante. » La pluie de compliments, à défaut de la pluie de cyprine, on évite. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être plein de questions. Salut, pourquoi tu réponds pas? Tu fais quoi dans la vie? Tu t'appelles comment? Machin. Ah, réponds. Ah, vas-y. Ah, réponds, salope. Tu vois, poser plein de questions comme ça en mode robot et tout, c'est juste lourd. Une description, une conversation, c'est du ping-pong. On écrit, elle s'investit autant que vous dans la conversation. Enfin voilà, je dis pas qu'il faut pas poser de questions, mais trop de questions en mode interview, c'est juste relou. Et ensuite, il faut éviter donc le déséquilibre dans l'investissement, c'est-à-dire toi, 3 pavés de 10 lignes et puis elle, 3 mots, genre lol. Tu vois, ce genre de truc, il faut absolument éviter, il faut la faire parler, il faut arriver à l'intéresser. Enfin, et il y en a, il faut les recadrer, elles se prennent trop pour des princesses, il faut apprendre quel genre de messages peuvent les recadrer pas mal. Donc, si ce que je vous ai dit là, ça vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder mon pack pour séduire sur Internet qui contient plusieurs e-books, notamment « Secrets pour séduire sur Internet » qui est un e-book dans lequel je vous explique comment faire votre profil, comment faire un bon premier message, comment soigner vos réseaux sociaux pour qu'une fille qui vous voit sur un site de rencontre, elle ne vous élimine pas parce que sur votre Facebook, vous avez juste l'air d'un alcoolo ou quoi. Parce que les filles, elles peuvent stalker hein, et aller voir un petit peu qui elles vont rencontrer, etc. Surtout quand tu donnes ton numéro de téléphone, ça permet des recoupements ou quoi. Avec Instagram aussi, ça te suggère. Donc, il faut absolument faire attention à ça. Donc, tout ça, vous le trouverez dans ce manuel qui vous expliquera en gros bah, tout ce que je viens de vous dire, mais en plus détaillé avec des exemples, mes propres profils, etc. Et puis, un autre e-book qui s'appelle Droit au FC. Droit au FC, c'est un e-book où il y a 15 conversations que j'ai eues avec des filles où en fait, je les ai fait venir directement chez moi pour faire l'amour. Donc, et j'ai couché avec elles après. Donc, en fait, c'est des conversations avec des filles où elles sont analysées, commentées, où j'explique pourquoi je dis ça, pourquoi elle dit ça, ce qu'elle veut, le genre de réponse qu'elle veut et tout. Il y a des répliques cultes à apprendre dedans, enfin des trucs qui vous sortiront vachement de la merde si vous vous intéressez à la drague pour séduire sur Internet. Donc voilà ce que je vous propose pour aller plus loin sur la drague sur Tinder et adopte un mec. En attendant, vous pouvez trouver tout ça dans la description. Il y aura un lien vers ma boutique, vers mes produits et tout. En attendant, même si vous ne prenez pas ces formations, ces 3 erreurs que j'ai listées, je vous invite à y réfléchir et à éviter de les faire. Vous allez voir que vos résultats vont exploser. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, lien sont dans la description, à partager cette vidéo qui est peut-être d'utilité publique à vos potes qui draguent sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être du mal à avoir des réponses sur les applis et sur les sites. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.